de soleil pour une opération de nuit. Oula. Oh, ce lac. Ah merde, je me suis trompé. J'ai repris mon bon clavier au lieu de prendre le Nostromo. Ah d'accord, je collectionne les matraques. Ah non, c'est passe-partout, je crois que c'était la matraque. J'ai rien dit. Attends, je croyais que j'en avais une de matraque, non? Ah merde, enfin, je me sers dans la rue, dans les matraques qui traînent au sol, là. Pause, il y a un truc qui me chagrine. Oula. Mais non, c'est bien. En fait, j'avais pas la jauge audio de contrôle pour mon microphone. Tout va bien. Est-ce que je peux faire usage d'une... Ouais, équipée. Merde. ça seulement. Ah ouais, non, ça va pas. Ah mais je peux pas. Non mais laisse tomber, c'est un carnage. Je vais crever comme un caca là. Supplémentaire, mais pour l'atteinte, je suis comment?
C'est juste impossible. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est une cellule. La cellule, je sais pas. C'est bizarre ce système de peau. Merde, j'ai pas pu assez vite. Oh, il fait chier. Voilà, c'est quoi? Ah, accessoire de précision. Lorsque ce stabilisateur harmonique est fixé sur le cadre de la plupart des armes à feu, il réduit la poussée verticale résultant du tir, accroissement par lui-même la précision du tir. D'accord, ce stabilisateur peut être adapté sur la plupart des armes subissant une quantité de vibration non négligeable. J'ai déjà eu l'occasion de l'avoir à l'œuvre sur une arbalète de poing et un fusil plasma nouvelle génération. Sam Carter, ouais. Faites glisser, voilà. Ah, c'est intéressant ça. Oui, je veux bien le recul sur le fusil de snipe. Ah ouais. Ça m'intéresse fortement. J'ai perdu ma jambe, génial. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Voilà, il faut que je reste sur courir, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Laisse tomber. Oh, que c'est pénible. Comique. Ah, il y a encore un gars. Pas tous étaient maîtrisés. Comment ça va pas? Ça va pas. Ah si, putain, ça a bien voulu, mais. Puis...
Merci. Putain, il était temps. Et évidemment. Ah bah si, j'avais pris un. Non, j'avais pas de mallette de santé. Ah merde. Ah merde. Parce que là, j'ai pris cher là. Oui, aïe, 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 aïe. Whoever's out there, give yourself up. Someone's there. I can. That's the one. Okay, drop it. Damn. That's one down. Check the air. Ah, fais chier. J'avais pas vu que je pouvais joindre le. Je me fichais pour rien en fait. J'ai même pas su lire le. Oh là là. Alors lui il est assis. D'accord. Who the hell? That's the one. Okay, drop it. Infocube. Security à G. Steward, insertion chimique MG12. Notre système de sécurité est opérationnel. Nous effectuons un test complet du système toutes les 12 heures pour nous assurer que son intégrité dans l'attente de la cargaison en provenance de Hong Kong. Ah, intéressant. Pour contrôler les positions, vous devez accéder au système par le login MJ12 en utilisant le mot de passe coup d'état. D'accord. MJ12 coup d'état. Fusil d'assaut, fusil d'assaut. Oh là 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 là. Que ça me plaît beaucoup. Passe-partout dans une caisse médicale. Ok, faudrait m'expliquer. MJ12 coup d'état. Ça vaut que je revienne sur mes pas là avec ce qu'ils viennent de me raconter. MJ12 coup d'état.
quand je passerai par là tout à l'heure. Si c'est ça. MJ-12, coup d'état. MJ-12. Coup d'état. Sérieux ? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, MJ-12. D'état. Putain, je comprends plus. MJ12. Coup d'état. MJ12. Coup d'état. Ah, je comprends pas. Que quand j'avais piraté, il n'y avait rien de. Ouais, c'est bizarre ça. Ah oui, ce serait dommage d'oublier. Ce serait dommage d'oublier. Oh yeah. Passepartout. Wait. Mais le pire, c'est qu'il y a des caisses de matos. Hein. Enfin, il y en a une. Face là. Est-ce que je suis pas arrivé par là moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mais je vais peut-être revenir chercher le truc de recul. Ah, c'est une plaque d'égout. Ah ok, je suis carrément à la sortie du bar. Ah, c'est carrément au-dessus de l'appartement de Paul, enfin du frangin. Putain, ça fait flipper. Ok. Ouais, je vais aller chercher là. Parce qu'elle vaut de l'or.
J'avais pas vu. Putain, lui il m'a échappé. Excellent. Bon, je vais mettre la bio combinaison. Elle va s'éteindre, tant pis, au moins je l'aurais fumé. Ouais, je vais la garder, on sait jamais. Là, je suis un peu potable. Ouais, elle aura servi. Ouais, bah, ça me libère de la place. L'humiliation que je mets au MJ-12. Tous les soldats ont été assommés. Oui, alors attends, il faut que je retrouve le... Ah, j'ai peut-être allé parler à la nana dans le bar. Lui dire que son ami est saine et sauve. Ça mange pas de pain. I think your friend is gonna be all right. What about Johnny? He's on his back in the alley. Serves him right. About time. What can you tell me about his boss, Jojo? Oh, Jojo, he's nothing, man. We used to go out. His body mods? Cosmetic. Scars? I saw him cut his face one time just so he'd look mean. Maybe I'll cap his ass, too. Well, if you ever want to get into the warehouse where he hides out, I know the code. It's 3316. Thanks. You've been very helpful. The music is excellent. You could at least let your father know you're all right. He knows where I am. You mad at him or something? No, but I don't want him running my life like he runs that cheap hotel. He doesn't do such a bad job. He never got nowhere because he never took chances. That ain't me. I'm gonna do things my way. I think you should be more grateful for what he's done. Let's leave it at that. Mind your own business. Jojo shouldn't stick us with guys like Johnny. That ain't cool. Anything that's worth the price of a beer? Ah, this old bird's had enough. Hell, I'm about to go on duty. What kind of chopper pilot starts work at midnight? You're with UNATCO, right? Why do you ask? I'm the one that flies your brother Paul to Hong Kong. He told me to watch out for you. I didn't know UNATCO hired pilots. The black choppers are run by the NSA to support various classified operations. Pentagon uses them, the CIA. They hired me because I don't ask any questions.
I also worked on their hydraulic system. If you ask me, I don't think one of those guys has seen a generator before in his life. It's still going on, isn't it? They're shooting people right outside the bar. Ah, il clope.
plus, ça vaut le coup. All clear.
I saw your daughter Sandra down the block. She didn't look so good. Sandra? Was she coming back to the hotel? I took care of a thug who was harassing her, but she's still mixed up in some pretty nasty business. You better talk to her. No. No more talking. If you see her, tell her I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. I'll tell her she can trust you. Alors je vais retourner au bar. Putain. Well, I'm glad they made it. Password? Bloodshot. Friend out. Ford, is he all right? Fine. You were right about those troops. Definitely not NSF. They're the CIA. They capture people and use them for medical experiments. I wouldn't go that far. You said you'd make it worth my while. Since you helped Ford, I'll cut you a deal. I'll give you a scope that will fit most handguns and rifles for 700 credits, a bioelectric cell for 250, or some light amplification goggles for 1125. Oh, les lunettes amplificatrices, ça m'intéresse. Les lunettes de visée aussi. 1125 for light amplification goggles? Sure. Deal. See you later. Ah. Hey. And thanks again for finding four. No problem. Ah oui, mais c'est le truc qui s'use à mort. Non. Je m'attendais à quelque chose de plus viable. Je suis déception. I got your friend out. Ford, is he all right? Fine. You were right about those troops. Definitely not NSF. They're the CIA. They capture people and use them for medical experiments. I wouldn't go that far. You said you'd make it worth my while. Since you helped Ford, I'll cut you a deal. I'll give you a scope that will fit most handguns and rifles for 700 credits, a bioelectric cell for 250, or some light amplification goggles for 1125. Les lunettes de visée m'intéressent. I'll take the scope for 700. Deal. See you later. Hey, and thanks again for finding four. No problem. Là.
Mais non. C'est le flingue que je voulais jeter. J'ai l'impression qu'il y a moyen d'aller au-dessus. Des valises, le mec.
intéressant ici, je crois. Là, y a rien. Là, je vais prendre une des... Je sens que celle-là va me servir énormément. Ça glisse, bordel. Ah, glisse pas. Putain, à chaque fois elle glisse. Ah, là elle glisse pas. Oui. Quoi? Non, c'est dégueulasse, il y a un mur invisible. Informatique 0,60. Non.
je l'ai faite en plus. Non, je vais faire 2-2-2. Ah oui, ça peut être ça aussi. Non, bah non, il y a plus de 1000 combinaisons, laisse tomber. Ah oui, con, j'avais oublié. C'est la merde. 1-2-3. Ici, c'est ça qui me fait chier. C'était pas écrit sur un mur ou dans un bouquin. Non, il n'y avait pas un code à 3 chiffres. Oh putain. Ah, 109. 109, ne me dis pas que c'est ça. Ah putain. J'ai voulu y croire. Je l'ai fait, ouais. Que je peux essayer, mais j'y crois pas trop. Ça marche. Ah ah ah. Je tiens peut-être ma soluce. Je tiens peut-être ma soluce. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Hop, petit. Sauter là. Là je suis bord. Ouais bah oui, ça va pas. Ça va pas. Ah oui! Ah, mais j'y suis quasiment là. Attends, comment je peux faire? Là, je peux pas. Oui, du coup, je vois bien là. C'est sûr.
matos partout. J'ai réussi. Mon acharnement à payer. Ah, New York, comme ils ont oublié de le programmer. Ah, comment je t'ai guaqué le jeu. Surtout qu'il est censé dans un souterrain, donc c'est super bizarre, quoi. Le truc est pas cohérent du tout, quoi. Bon, bref, j'ai gagné. J'ai gagné. Oh là là. Oh, ce pactole. Alors, je vais me doucher dans les ressources, comme diraient certains. Cigarette, je m'en fous. Ah non, ne me dis pas, c'est que des clopes. Oh non. Ah. Ah merde, j'en ai déjà trop. De la torche. 44 torches, qui dit mieux. Ouais. Putain, les clopes, n'importe quoi, toi. Tiens. Laser, génial. C'est de l'or en barre. Oh là là, oh là là. J'ai la totale. Bah, je pense pas que j'ai besoin d'un laser sur le snipe, puisque j'ai la lunette. Donc je vois où je tire. Par contre, le 10 mm, intéressant. Ouais, je vais mettre la précision sur le fusil à lunettes. Et je vais mettre la pointée laser sur le furtif. Take it out. Oh, que je suis content, que je regrette pas mon entêtement. Je me suis fait bobo.
J'aurais peut-être dû atterrir sur le lit, par exemple. Et je suis sûr que le digicode, ça permet d'aller dans sa planque où il y a tout le matos. Partiellement. See anything you like? Putain, il a de ses yeux. Not interested. Merde, quel con. J'ai pas regardé s'il y avait le code dans son ordi. J'ai pas réfléchi là pour le coup. Parvenu à accéder à son lit avec le code d'autres chiffres. J'ai le sentiment que j'étais parvenu par le passé. Mais est-ce que j'avais triché avec l'étage IV? J'avais trouvé de moi-même. Je sais plus. D'accord, il y a quelques...
je me dis que j'avais pas de matraque. Alors, pas d'info. Aussi, une matraque imposante utilisée par la police anti-émeute et les forces de l'ordre nationale pour dissuader les fauteurs de troubles. Ah, je vais la garder sur moi, on sait jamais. Pareil, lui, là, il y a le... Merde, c'est le tabebus. Le mec qui me balance un code. Et ces trucs, c'est trop bizarre. Guys in green, your net goes running the show today. Hey! Ça fait son effet. Désolé, mec. The city's lit up, man. Yeah. Yeah. Merde, j'y étais. Ah, putain, passer des lampes. Même ça, je peux pas l'expulser hors de l'appartement. C'est bon. C'est un truc qui est jouable. Thank you.
Sheriff. Celle-là, j'étais persuadé que j'étais parvenu à... Ah, je vais y arriver, bordel, je vais y arriver. Ah oui, tiens, en fait, le coup des touristes, mais la porte s'ouvrait ou pas? Non, pas du tout. C'était deux criminels notoires, ok, génial. Son. Excuse me? Oh, sorry, I thought you were someone else. Mais le gars, il est trop bizarre. Il n'y a pas d'objet sur lui, donc il a une information à délivrer. The criminals are anymore. Eh oh, garde ta langue dans ta bouche, toi. Tiens. Attends. Ah. Oh, je suis expulsé, j'ai pas le droit de rester dessus. Oh merde. Ça, par contre, je suis bien dégoûté. Non. Ah putain.
crush you, Dagan. Oh, shit. Bon, allez, j'abandonne. J'ai perdu trop de temps. Alors, le bar, pour dire à la demoiselle ce qu'il en est de son père. Si je retrouve le bar. Le bar. Non, là-bas, c'était la clinique. We'll take it from here. Ça, c'est l'entrepôt des terroristes, c'est la fin de ma mission. All clear. Ça, c'est la clinique. Ah, le bar, c'est là. Mind your own business. Jojo shouldn't stick us with guys like Johnny. That ain't cool. J'ai déjà tout fait. Hey! Ah bah oui, j'ai pas de sortir. Sandra looks a little shaken up. I hope she's all right. Ouais, bon, bref, j'ai perdu du temps. Oui, bah, je vais faire la suite de la... mission. Le réceptionniste. Ah, merde, putain, je m'en rends mal. I should probably go find her. Oh, I don't know. Maybe she'll come in from the fighting. Glad they made it. We'll take it from here. J'ai pas... Ouais.
C'est valable. Ah ouais. C'est du code zéro là. Effectivement, ça valait le coup. Oh wesh. Sonic transducer activity. I'm sending you a satellite image that should help you plan your approach. Si je peux le récupérer, moi ça me va. Faut-il encore que j'y parvienne? Oh le con! Ça veut pas, ça veut pas, hein, comme on dit. Si je me mets... Non, ça m'aide pas à stabiliser apparemment. Joli! Putain, comment les... se balance. Magnifique. Ouais, tu parles, c'est de la rambarde ça. C'est de la rambarde. Je suis revenu en arrière, mais je suis complètement débousselé là.
transducer activity. I'm sending you a satellite image that should help you plan your approach. Ouais, facilement. Ah merde, j'ai pas assez de place, c'est vrai. Oui, bah les bouteilles, je les vire. Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse. Oups. Oups, oups, oups. Merci beaucoup. These UNATCO guys. Un petit problème.
problèmes techniques.